Président Samuel Eto'o, à l'heure, si nous ne sommes plus avec toi. Le père Rigobert sont comme toi et tes enfants. Vous pensez que vous allez tuer tous les Camerounais. Là, vous n'allez pas tuer tous les Camerounais. Vous pensez qu'on a l'argent à casse-pied? Vous pensez qu'on a l'argent à casse-pied? On paie les billets d'avion, on vient voir les interclasses. Avec les têtes, dans la tête des joueurs, c'est mal embolé. Ayama, vous ne pouvez pas aller jouer avec nos organes au stade comme ça. Vous ne pouvez pas. Vous connaissez même que les ministres qui regardent les matchs-ci. Vous connaissez même qu'il y a le président qui regarde, qui vous supporte. Parce qu'il vous supporte. Hier, c'est même comment. Azo Benani est éminent. Hey! Vous n'êtes plus les lions indomptables. Vous êtes les lions insupportables. La vengeance est un plat qui se mange froid. Rentrez à la maison. Parce que je ne sais plus ce que vous pouvez crier là. Parce que ne nous foutez pas la honte trois fois. Vous avez dépassé l'étape de nul. Vous êtes devenu des moules. Oui. Le problème de l'équipe nationale du Cameroun au niveau du football, en fait, c'est que ce sont des petits qui sont assis sur la réputation de leur grand frère. C'est un peu comme le petit gars qui était toujours au quartier là, que nous tous on connaissait que son grand frère, c'est le plus grand bandit du quartier. Et passer le temps à chercher les problèmes, sachant que personne ne va rien lui faire parce qu'on connaît que son grand frère va venir intervenir. Vraiment, c'est malheureux. Le Seigneur. Partout, me le bave. Dans la tête, qui la tête, avec le mollet. Le mollet et les femmes. Vous jouez un match, vous êtes toujours derrière. Vous cherchez quoi sur les fesses des femmes? Vous cherchez quoi derrière? Dis-moi ce que vous cherchez derrière. Président Samuel Eto'o, à l'heure, si nous ne sommes plus avec toi, nous ne sommes plus avec toi. Tant que tu n'échanges pas Rigobert Songla, nous ne sommes plus avec toi. Tu es parti avec ton même frère Rigobert Songla là, à la Coupe du Monde. Il n'a rien foutu là-bas. Aucun fond de jeu. Nous, tu es revenu avec lui. On pensait que tu vas changer Rigobert Songla. Tu n'as pas changé, tu as continué. On a joué les qualifications de la Coupe d'Afrique. On a souffert pour ces qualités, toujours avec ton frère là. Je pense que, je l'ai dit, nous avons une jeune équipe. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, ce n'est plus les années passées. Il faut reconnaître ça et savoir qu'aujourd'hui, nous rebâtissons une équipe. Tu es un coach inutile. Vous appelez les joueurs par affinité. Vous mettez le joueur par affinité. Aujourd'hui, il nous dit des théories. Encore des théories. Aujourd'hui, il dit que non, chacun va jouer à son poste. Donc, tu savais que tu avais les joueurs. Mais tu les mettais pas à leur poste. Je dis que tu avais que tu allais mettre à leur poste. Avec un coach que le débat a fini. On n'a pas assez de maturité. C'est une jeune équipe qui est en place, qui découvre. Et je pense qu'avec le temps, ils comprendront. Ils nous ont même trahis. C'est-à-dire un président de la fédération qui a amené le football à ses forces, à ce que vous soyez bien. Le peuple s'efforce à ce que vous soyez bien et vous nous faites ça. Rentrez à la maison. Rentrez, vous allez nous donner les palpitations pour rien. Rentrez à la maison. C'est parce que vous faites un peu sur le terrain. Pas les tatoués, pas les lorcés. Pas les gars qui portaient les surmesures. Vous voyez là, honte que vous nous donnez. C'est quand vous avez fait la Cameroun, vous avez oublié. Vous voyez là, honte que vous nous donnez. Cameroun pas bien, quoi. Cameroun pas bien. Vous êtes les derniers. Il est pas si même. C'est comme ça. Onana, c'est pas un gardien. Tu prends le tien, tu veux faire le beau ici là. Mais je me pose la question, vos maillots que vous vendez à 49 900 là, c'est pourquoi? Qui est fait? J'essaie, vous voyez. Les joueurs là. Les joueurs là, vous voyez la honte que vous nous donnez. Si ça ne tenait qu'à moi, hein, quand vous perdez comme ça, même quand vous rentrez dans vos clubs là, parce que c'est ça qui vous monte à la tête, on vous banque. On vous banque. On vous décharge. Donc ce que vous avez fait là, vous avez intérêt à vous réveiller. Dans tous les cas, je dis, la vengeance, c'est un plat qui se mange froid. Ce sont les 11e madame ou 2e au stade là. Les joueurs pour les rastas qui arrivent aux fesses, ça pèse. Les mecs, c'est 40 000. Vous allez jouer quel ballon? Incroyable. Eh, vraiment, dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Vraiment. Mais ça ne vaut pas la peine avec vous. Ou l'autre va finir par le départ. Kango. Il va finir par nous mettre 11 types Kango. On demande à quelqu'un que dans l'histoire du football, le Cameroun a eu à dominer le Sénégal. Comment ça va se passer aujourd'hui? Il dit qu'on va seulement suivre l'histoire.
on va m'en suivre l'histoire. T'es devenu prof, non? T'es devenu prof. Le football t'a dépassé. Ça, c'est ça, c'est même que ma chance, elle est ici, non, mon frère. C'est que ma chance, c'est ça. Le Seigneur. Laissez le ballon. Doucement, le catch comme une animal. Ça, c'est la deuxième fois que je sors. Wow, le Cameroun. Je suis pas en train de marcher, c'est la tristesse seulement. Mais mon frère, c'est la magie. Chaque jour, vous partez dans un pays où vous savez qu'on en clash avec eux. Vous partez faire un jeu de football médiocre. On quitte Abidjan. On est venu voir le match à Yamoussoukro. On a payé les billets d'avion, on a payé les logements. Tout. On arrive pour subir ce genre de trucs. Premier match, vous faites d'abord un match nul, ce qui est une défaite. On vient aussi écrire ma voix par nous. On use nous. Militairement qu'il faut réinstaurer le pouvoir, oui. Il est temps de rendre aux Camerounais ce qui appartient aux vrais Camerounais, son football. Samuel Eto'o, toi-même vrai, dis-nous ce que tu dois à Rigobert, nous tous on va rembourser ça. Mieux il nous laisse. Vous faites des sexy sur le stade, vous nous donnez l'attention, vous nous faites mal au cœur. On vous a envoyé sur nous. On vous envoie, on ne peut pas rester aux arts, on supporte les lions avec la tête en paix. Ouais, Seigneur. Vous dites que vous aimez le Cameroun, vous n'aimez pas le Cameroun, vous n'aimez pas. Moi, je me suis écorché, j'ai payé mon billet d'avion. Regardez, je me suis écorché pour être au stade, j'ai fait 4 km pour venir supporter les gens comme vous. Vous venez avec les pièces au stade, vous venez des demoiselles, vous venez aussi des pièces au stade, et vous voulez quoi? Il est parti pendant que les petits enfants qui ont grandi en Europe, là, qui jouent maintenant en Europe, alors qu'on a nos enfants ici qui ont d'abord joué sur le pays, qui ont mangé, qui ont marché à pied, quittant de Mombo jusqu'à l'Omnisport, à pied, quittant de Jaïus jusqu'à l'Omnisport, à pied pour aller aux entraînements. Maintenant, ils jouent en Europe, vous ne pourrez pas les appeler. Vous partez pendant les enfants qui ont fini. Timias Wobo, ne nous tuez pas. Ne jouez même plus un match là. Parce que si c'est comme maintenant qu'on peut venir croiser pour la risée de la foule, ce sera nous. Même les Comores, Marco tout, même les tout. Allez à la maison, ne jouez plus rien. Monsieur Samuel Eto'o, venez ici. Toi, la grand frère, tu devais déjà avoir d'abord un championnat à ton nom qui devait te servir à recruter les nouveaux talents chaque année. Donc, sincèrement, que chacun, je ne vous dois rien, vous aussi, vous ne me devez rien. C'est la dernière fois qu'il parle de vos histoires. C'est quelle histoire ça? Un coup de tête chanceux. Vos buts, c'est seulement la chance partout. Bienvenue au laboratoire photo Vision Pro. Le laboratoire Vision Pro vous ouvre ses portes du côté de Yaoundé, au quartier Ekounou, avec une machine de dernière génération. Le laboratoire Vision Pro vous propose le service d'impression photo sur petit et grand format, toutes les dimensions confondues. Vision Pro, tu restes. Le laboratoire Vision Pro est professionnel pour les agrandissements photos de toutes les dimensions. Imprimez les photos de vos tablettes, téléphones et smartphones au laboratoire Vision Pro. À un prix imbattable, défiant toute concurrence. Le laboratoire Vision Pro est situé à Yaoundé, à 200 mètres, venant du carrefour Ekounou, à votre droite. Et à 400 mètres, venant de Carrousel, à votre gauche. Numéro de téléphone, 672 30 37 85 697 39 27 28. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.